Bonjour mes petits choux, je voulais aujourd'hui vous présenter le jeu de cartes, l'oracle des miroirs, qui est un jeu très facile à utiliser, même pour pour les personnes qui n'ont pas l'habitude ou qui veulent essayer en tout cas déjà les cartes. C'est un jeu qui est très intéressant. Alors voici le dos des cartes, voilà, avec des jolis petits dessins. Donc je vais vous montrer, hop, les petites cartes. Donc vous avez un dessin et vous avez aussi donc un mot qui nous parle de dessin où vous pouvez faire votre interprétation. Ce sont des messages très clairs et les dessins sont aussi très intéressants. Donc vous avez aussi un petit livret que je vous montrerai où on vous indique différentes sortes de tirages pour ces cartes-là. Vous pouvez tirer des cartes conseils du jour, vous pouvez les faire avec trois cartes hein, pour des tirages passé, présent, futur. Franchement, moi j'ai trouvé un très très facile et très intéressant. Voilà, on a vraiment tous les cas de figure quand même. Hein. C'est relativement agréable hein, justement parce qu'on a des réponses, que ce soit au niveau du temps, que ce soit au niveau justement bah, de tout un tas de choses, de tout un tas de questionnements. On a vraiment des réponses très claires grâce à ce jeu qui est très facile d'utilisation. Hein. Voilà, vous avez le temps, vous avez la famille, l'hérédité. L'étranger, la tranquillité. Projection. Boomerang. Voilà pour les cartes. Donc elles sont relativement de taille assez enfin, normale, je dirais. Hein. On n'a pas à faire de très très grandes cartes, mais elles sont relativement solides aussi. Ça fait un moment que je m'en sers et on est quand même. Voilà. Donc vous avez un petit livret explicatif hein, la petite boîte. Hein. Que vous avez. Donc vous avez en fait des chiffres qui parlent donc justement voilà ça se présente comme ça en fait on n'a pas de photos des cartes hein. Ça se présente comme ça dans le petit livret. Après si vous voulez vous intéresser plus précisément en fait aux cartes hein, vous avez aussi le grand livre que vous pouvez vous fournir où là par contre vous allez avoir donc toutes les explications avec donc les cartes hein, voilà, qui sont bien expliquées où vous pourrez justement lors de vos tirages faire de plus longues interprétations. Donc voilà, je vous en montre quelques-unes. Hop, voilà. Ce sera un petit peu plus complet si vous voulez avec le grand livre. Bon, après celui-ci, on s'en sert aussi très très bien. Hein. Il est très pratique. Après, c'est à vous de faire en sorte votre interprétation, en quelque sorte. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais en tout cas, voilà, je tenais à vous présenter
cet oracle parce que je le trouve vraiment très très intéressant. Voilà, merci à vous.